Jésus-Christ, la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et juge ses cancers, communément appelé l'église kimbanguiste, est l'une des grandes églises chrétiennes indépendantes d'Afrique. Elle compte à ce jour plus de 20 millions d'adeptes éparpillés à travers les 5 continents du monde. Et c'est avec une forte représentation en République démocratique du Congo, RDC en sigle, en République du Congo-Brazzaville et en République d'Angola, trois pays qui forment les socles du kimbanguisme. Au fait, l'église kimbanguiste est sortie des entrailles du mouvement des réveils spirituels aux effets multisectoriels déclenchés par Simon Kimbangu le 6 avril 1921 en Kamba. À cette date, Kimbangu Simon, comme l'appelaient les colons belges, catéchiste protestant noir d'origine congolaise de la mission protestante de Gombe-Loutété dans la province du Bas-Congo en République démocratique du Congo en Afrique centrale, guéri par la prière et l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ, une jeune fille Nkiantondo, comateuse depuis plusieurs mois en Gombe-Kintsuka, village voisin d'Inkamba. Considérée par les siens comme un miracle inédit, cette nouvelle fut propagée comme une traînée de poudre. Dès lors, Nkamba devint ainsi un centre d'attraction où du jour le jour, les habitants des trois pays précités affluaient soit pour chercher la guérison, soit pour écouter les enseignements du genre nouveau axé sur la libération de peuples opprimés, l'amour et la moralité. Cet enseignement ponctué des actions de puissance telles que la résurrection des morts et autres déclarations comme « l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir » ont amené les missionnaires tant protestants que catholiques ainsi que les autorités coloniales à mettre Kimbangu Simon hors d'état de nuire, c'est-à-dire l'arrêter sinon l'éliminer physiquement. L'action de Kimbangu Simon et l'attitude des colons belges ainsi que des missionnaires ont rappelé aux habitants de l'ancien royaume Congo la prophétie de Kimpavita Dona Beatrice le 2 juillet 1706 en Banza Congo en Angola avant d'être brûlée vive par les colons portugais. Prophétie relative à la naissance d'un enfant qui sera nommé Kimbangu et qui viendrait libérer le peuple noir de l'oppression coloniale. Ainsi donc, 5 mois seulement après le début de son ministère, soit le 12 septembre 1921, Kimbangu Simon sera arrêté et une chasse à l'homme fut ouverte. Comme on pouvait s'y attendre, après lui, sa famille, ses collaborateurs directs et tous ceux qui s'hasardaient suivre ses mouvements ou même parler simplement de Kimbangu, firent arrêter sa ménagement. Pour sa part, Kimbangu Simon fut jugé et condamné injustement à mort par le conseil de guerre de Tisville le 3 octobre 1921. Après les échecs successifs de la pendaison et des rejets dans les eaux du fleuve Congo à Lutendele à Kinshasa, l'homme du 6 avril et les siens furent envoyés en relégation dans des endroits éloignés de leur milieu de provenance. Les statistiques renseignent qu'il y a eu au total 37 000 familles déportées et 150 000 martyrs à travers les trois pays, entendez, la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazzaville et la République portugaise d'Angola. En ce qui concerne l'homme du 6 avril, Simon Kimbangu donc, il écopa 30 ans d'incarcération ferme à la prison de Kasombo à Elizabethville, actuelle ville de Lubumbashi. Et c'est dans des conditions quasiment inhumaines d'où il rendra l'âme le 12 octobre 1951 en présence des gardes à l'hôpital Prince Léopold. Cependant, à la même heure et date, naissait en Kamba l'actuel chef spirituel et représentant légal, son éminence Simon Kimbangu Kyangani, de l'union du second fils de Simon Kimbangu, nous avons cité Dialungana Kyangani Salomon et Nkiwasi Silwa Mari. Toutefois, en Gombe-Kintsuka où elle vivait en résidence surveillée, Mwiluke Wanganditani Marie, l'épouse de Simon Kimbangu, continua secrètement à diriger les mouvements laissés par son époux. Cela jusqu'au matin du 27 avril 1959, date de sa mort. Mwilu Marie a eu le mérite de pouvoir élever ses enfants dans la crainte de Dieu et d'avoir protégé l'héritage spirituel laissé par son époux, tels que les bâtons prophétiques et divers documents écrits sur l'avenir du monde en général et de l'Afrique en particulier, notamment de l'homme noir. Nous savons aussi que c'est dans cet ordre d'idées que le 6 avril 2010 en Kamba, le gouvernement de la République démocratique du Congo, de Joseph Kabila Kabange donc, a décerné à titre posthume à Maman Mwiluke Wanganditani Marie la médaille d'or des mérites maternels. Nous savons également qu'en 1958, Mwiluke Wanganditani Marie a demandé à son fils aîné, Kisolukele Lukelo Charles, qui s'est rendu à Bruxelles dans le cadre du concours de commis d'État, d'entrer en contact avec le roi Baudouin Ier
envie de lui rappeler les pactes signés par son père, Albert Ier, avec Simon Kimbangu, son mari, relatif à l'indépendance du Congo belge. Chose qui fut faite car, le jeudi 30 juin 1960, la République démocratique du Congo obtena son indépendance. Quelques jours avant sa mort, en 1959, Mwiluke Wanganditani Marie confia les bâtons prophétiques et la commande du mouvement Kintuadi à son fils cadet Dengendo Kontima Joseph, celui qui fit le secrétaire au cabinet du gouverneur Penieta à Kinshasa Kakananga. Adialungana Kengani Salomon, son second fils, Mwilu Marie rappela qu'il est le gardien de la cité sainte d'Inkamba, conformément à la dernière volonté de son père Simon Kimbangu en 1921. En ce moment-là, rappelons-le, son fils aîné Kisolokele Lukelo Charles fut agent territorial à Tchela dans la province du Bas-Congo. Après toutes les exactions subies des colonisateurs belges et 8 mois seulement après la mort de Mwiluke Wanga Marie, le kimbanguisme obtint sa victoire sur les colons par la reconnaissance officielle du mouvement Kintuadi comme une église à part entière aux côtés de celle venue de l'Occident dite missionnaire. C'est le 24 décembre 1959, sous la commande du fils cadet de Simon Kimbangu, en la personne de Dengendo Kontima Joseph, qui en deviendra ainsi le tout premier chef spirituel et représentant légal. Soulignons à cet effet que bien avant, les colons français étaient les premiers à reconnaître ce mouvement Kintuadi en 1958, avant même l'indépendance du Congo-Brazzaville intervenue en août 1960. Les Belges l'ont fait exactement le 24 décembre 1959, après les colons français. Et enfin, les colons portugais ont fini eux aussi à emboîter les pas dans ce sens en 1974, une année avant l'indépendance de l'Angola intervenue le 11 novembre 1975. Avec une bonne et franche collaboration d'abord avec ses frères aînés Kisolokele et Dialungana, sans omettre l'appui considérable des anciens du mouvement Kintuadi, son éminence Dengendo Kontima Joseph a dirigé l'église kimbanguiste du 24 décembre 1959 au 8 juillet 1992, date de sa mort à Genève en Suisse. D'entrée de jeu, le premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste a inscrit dans son carnet des urgences de son action l'exhumation du corps de son père Simon Kimbangu du cimetière des Sapins à Lubumbashi pour son transfert et sa réanimation en Kamba et l'expansion de la bonne nouvelle. Faisant fi aux problèmes internes et externes dans l'exécution de son programme d'action, son éminence Dengendo Kontima Joseph Tatamvoila à l'époque aura comme cheval de bataille la formation de l'homme tant sur le plan spirituel, moral qu'intellectuel. Ainsi, pour faire face à la chasse des parents et élèves dans les écoles missionnaires, Dengendo Kontima Joseph, le chef spirituel, procéda sans attendre à la création du réseau d'enseignement privé kimbanguiste le 4 janvier 1960. Puis, le 25 mars de la même année, soit en 1960, il exhuma le corps mystique de son père Simon Kimbangu, trouvé intact 9 ans après son inhumation et l'achemina en Kamba via Kinshasa, ex-Léopoldville. Sur le plan moral et intellectuel, il entama l'organisation des retraites spirituelles en 1972 dans les provinces. Son éminence Dengendo Kontima Joseph façonne un type d'hommes et de femmes, si pas intègres, mais modèles de la société humaine. Par ailleurs, pour relever les défis du développement de son église, le numéro 1 de la jeune église indépendante d'Afrique a fait de l'agriculture et de l'élevage des petits et gros bétails sa priorité. À cet effet, il a ouvert plusieurs centres agro-pastoraux et a créé plusieurs fermes dans les 3 pays précités, entendez, la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazzaville et la République d'Angola, où le kimbanguisme est profondément implanté. Ce n'est pas tout. Le chef spirituel kimbanguiste a par ailleurs instauré un système de collecte volontaire de fonds nommé Ntsintsani en langue kikongo. C'est surtout avec cette dernière stratégie que le fils cadet de Simon Kimbangu, devenu premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, a bâti cette église partout où elle est présentement implantée. Du point de vue évangélique, il s'est de noter que le kimbanguisme est défini comme le christianisme résultant de l'ensemble des enseignements et des actions de Simon Kimbangu a atteint les 4 coins du monde sous la houlette. Celui-ci a sillonné les 5 continents du monde
pour annoncer la bonne nouvelle qui se résume en bolingo, mibeko, misala, c'est-à-dire la pratique d'amour de Dieu et du prochain, le respect des commandements divins et le travail ou les bonnes œuvres. Selon son éminence Diangenda Kuntima Joseph, la race noire est celle que Jésus-Christ fait allusion dans Matthieu chapitre 21 versets 42 à 43. Et Kinkamba est la nouvelle Jérusalem dont parle Jean dans l'Apocalypse chapitre 21 du 1er au 3e verset. Tandis que son père Simon Kimbangu est le paraclet promis par Jésus-Christ dans Jean chapitre 14 verset 16 et Jean chapitre 16 verset 7 à 8. Papa Mfumalongo Diangenda Kuntima a fait adhérer en 1969 l'église kimbanguiste au Conseil œcuménique des églises, en sigle, puis à la Conférence des églises chrétiennes de toute l'Afrique, cet en sigle, en 1974. Il s'est de noter aussi que l'église kimbanguiste est cofondatrice de l'Organisation des églises indépendantes d'Afrique, dont le siège se trouve à Nairobi, au Kenya. L'homme du 22 mars, Papa Diangenda Kuntima donc, a doté l'église kimbanguiste avec le système de l'autoprise en charge appelé Tinsani d'un grand temple de 37 000 places assises en Kamba, siège international de l'église kimbanguiste, aux côtés d'autres édifices de grande valeur. Les mausolées et la source d'eau bénite figurent parmi les lieux saints du kimbanguisme en Kamba Nouvelle-Jérusalem. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un temple moderne y est construit à la paroisse kimbanguiste de Matete. Tandis que à la commune de Kasavubu, toujours à Kinshasa, son éminence Diangenda Kuntima Joseph a érigé un centre d'accueil moderne où l'on trouve des salles de conférences, une résidence d'accueil, un amphithéâtre moderne qui loge, entre autres services, les installations de la radio-télévision kimbanguiste Ratel Kiansigle, instrument évangélique de son église, la tribune pour la tenue de cultes dominicaux d'ensemble, les studios qui logent les pèlerins qui viennent un peu de partout en partance pour Nkamba, et sans omettre certaines résidences d'accueil des visiteurs de marque. Le centre d'accueil kimbanguiste loge également un complexe scolaire qui porte le nom du fils aîné de Simon Kimbangu en la personne de Charles Kisolokele Lukelo. Dans la commune de Kalamo, par ailleurs, son éminence Diangenda Kuntima a bâti un immeuble de 4 niveaux à la paroisse de Bongolo. Bâtiment qui abrite ces jours l'université Simon Kimbangu, ISK en sigle, un alma mater qui organise plusieurs facultés à travers deux campus, à savoir le campus de Bongolo, où l'on trouve les facultés telles que la médecine humaine, l'informatique, le droit, l'agronomie et les sciences économiques. Tandis qu'au campus de Lutendele, du côté du fleuve Congo, l'on trouve la faculté mère, entendez, la toute première, la faculté de théologie, celle qui a l'obligation et le devoir de former les cadres ecclésiastiques kimbanguistes. Toujours à Kinshasa, l'église kimbanguiste dispose d'un hôpital de référence de 250 lits opérationnels à Kimbanseke, la commune la plus peuplée de la capitale. En dehors de Kinshasa, l'église kimbanguiste est bien présente dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les mêmes initiatives de développement ont été réalisées par son éminence Diangenda Kuntima Joseph, le chef charismatique en République du Congo-Brazzaville, notamment dans la capitale, à Brazzaville donc, à Kounzulu, à Pointe-Noire, ainsi qu'en République d'Angola, notamment dans la capitale angolaise, Luanda donc, sans omettre les autres pays africains tels qu'au Burundi et ailleurs. Deuxième chef spirituel, son éminence Dialungana Kengani Salomo, successeur de son éminence Diangenda Kuntima Joseph, a eu la commande de l'église à un âge bien avancé, soit 76 ans. Il n'a régné que 9 ans, soit du 8 juillet 1992 au 16 août 2001. Outre l'accent mis sur l'application stricte de la trilogie kimbanguiste Bolingo Mibeko Misala laissée par son prédécesseur, l'homme du 25 mai, Papa Vumambanza donc, a recommandé avec insistance la mise en valeur de la cité sainte d'Nkamba, en l'occurrence la poursuite de la construction de la cité moderne d'Nkendolo. Tout cela en perspective de la réalisation de nombreuses promesses longtemps attendues. C'est pendant son règne que le corps de Mama Kinzembo, première femme kimbanguiste reléguée dans la province du Bas-Congo à Boma en 1921, a été exhumé sur son ordre par l'actuel chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kyangani, 70 ans après, soit de 1929 à 1999.
Avant la mort de son éminence Dialungana Kyangani Salomon, deuxième chef spirituel intervenu le 16 août 2001, l'église kimbanguiste réunie en assemblée générale au mois de mars 1999, sous sa direction bien entendu, a fixé la date de la Noël au 25 mai. Son éminence Dialungana Kyangani légua son pouvoir spirituel à son fils aîné, Simon Kimbangu Kyangani, pour diriger l'église kimbanguiste à travers les cinq continents. Le 26 août 2001, ses frères de la grande famille, entendez, les fils et filles de Papa Kesolokele Lukelo, de Papa Dialungana Kyangani et de Papa Dengendo Kuntima, tous unis comme un seul homme, présentèrent au public son éminence Simon Kimbangu Kyangani comme chef spirituel de l'église kimbanguiste. Et c'est conformément à la dernière volonté de leur père exprimée par les tout derniers survivants, Papa Dialungana Kyangani, avant même de quitter ce monde le matin du 16 août 2001. Il faut noter aussi que l'installation officielle du troisième chef spirituel et représentant légal, Son Éminence Simon Kimbangu Kyangani, par le gouvernement de la République démocratique du Congo, intervenant à Kinshasa le 2 avril 2002. Voilà, Son Éminence Simon Kimbangu Kyangani a pris place pour adresser son message de ce dimanche 1er novembre 2009 aux Kinois et à l'opinion publique. En dépit des turbulences de tout genre qu'il surmonte du reste, Son Éminence Simon Kimbangu Kyangani, troisième chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, porte haut l'étendard de cette église. Avec une bonne organisation mise en place, la cité sainte d'Inkamba connaît pendant son règne un développement rapide et extraordinaire. Celui qui a matérialisé l'exhumation longtemps attendue du corps de Maman Mouilou, épouse de Simon Kimbangu Angombe Kintsuka, pour sa réinhumation en Kamba au mausolée de son époux Simon Kimbangu. En collaboration étroite avec les autorités de la République démocratique du Congo, Son Éminence Simon Kimbangu Kyangani a réussi le 22 juillet 2011 la révision du jugement du conseil militaire d'Etizville Manzangungu du 3 octobre 1921 ayant condamné injustement Papa Simon Kimbangu, action jadis toujours sollicitée par ses prédécesseurs sans succès au gouvernement passé. En plus, l'homme du 12 octobre 1951, Son Éminence Simon Kimbangu Kyangani donc, a aussi réussi la tenue du 24 au 28 juillet 2011 de la conférence internationale sur la personne de Simon Kimbangu à Kinshasa. Ces assises ont réuni plusieurs éminents professeurs d'université et autres importantes personnalités venues des quatre coins du monde. Ce n'est pas tout. Soulignons que le JCSK, sous son initiative, vient d'ouvrir deux autres universités il y a quelques années à l'est de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, respectivement à Bukavu et au Maniema. En tout état de cause, comme son nom l'indique, Son Éminence Simon Kimbangu Kyangani est un révélateur des choses cachées. C'est dans cette optique qu'ils font comprendre le processus de la grande prière qu'il organise dans le cadre de la libération intégrale et totale et surtout spirituelle de la race noire en Koulou-Mbimbi, en Banza-Congo, en République d'Angola. Qui vivra, verra.